on a tendance à croire que le problème du tabac est en voie de se résoudre, sans qu'aucun nouveau effort soit nécessaire. Mais la réalité est tout autre, parce que le tabagisme demeure la cause numéro un de décès évitables au Québec, au Canada et dans le monde. Comme futur médecin de famille, je vois l'impact du tabac au quotidien. Mais quand je regarde les chiffres, c'est ahurissant comment le tabac coûte cher aux Québécois. De 1998 à 2006, on est passé de 35 à environ 20 % de fumeurs. Ça, c'est grâce à de nombreuses lois canadiennes et québécoises et à plein de campagnes de sensibilisation. Ça a été un énorme succès de la santé publique. Mais depuis 10 ans, on a de moins en moins de volonté politique, pas de nouvelles lois et donc un répit pour l'industrie du tabac. Résultat, on stagne. Lutter contre le tabagisme, c'est de la prévention qui rapporte gros. Et les moyens d'agir prouvés efficaces, la santé publique les connaît. Affaiblir la santé publique, alors qu'elle est indissociable de la lutte au tabagisme, c'est irresponsable de la part du gouvernement.